Bonjour à tous, on est l'équipe Emera, vous nous avez déjà rencontrés, on est le 3 juillet, il fait gris et on voulait vous faire un petit update sur les travaux. On se trouve dans l'ancienne salle Pierre-Merle où on a disposé des beaux sujets végétaux qu'on installera sur le toit terrasse. Et ici dans cette salle, on a posé un nouveau revêtement de sol, plus moderne. Et puis là, vous voyez le changement. Passe par l'ancienne porte. Et donc derrière nous, sur ce grand plateau, on monte les cloisons la semaine prochaine. Donc des cloisons vitrées sur les espaces de circulation, des cloisons pleines entre chaque bureau. Donc ce sera essentiellement des bureaux. On aura une salle de réunion qui se retrouvera juste accessible face à la autoterrasse. Et ici, il y a un nouvel accès à la terrasse qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, il va y avoir un petit ascenseur qui sera posé au ras de ces marches. Voilà, et on est à nouvel accès à la terrasse. Donc, la porte sera changée dans pas très longtemps. Descendons au niveau 153, donc à l'endroit de l'ancienne cafétéria qui est en plein chantier. Alors, nous y voilà. On se trouve dans l'espace cafétéria. Vous voyez qu'il y a un espace qui a été bien agrandi. Ici, donc là actuellement où on se trouve, on installera un canapé, un écran de télévision ici, et puis la partie de l'autre côté. Donc On on va se se retourner du coup. hop, On va on va avancer se un peu. Voilà. retourner. Donc là. Et on se tourne. Et juste ici, du coup, une nouvelle cuisine équipée avec plaque de cuisson, micro-ondes et lave-vaisselle. Voilà, et donc il va donner sur la terrasse, voilà qu'on va aménager, qu'on va meubler, sur lesquels il y aura un bar qui sera traversant entre l'intérieur et l'extérieur. Tout Voilà, à donc fait. qui permettra d'être un lieu à la fois de convivialité pour déjeuner, pour travailler, pour se rencontrer, et dans lequel on pourra organiser également des événements. C'est un peu l'objectif de cet espace complètement refait. Et voilà. Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles informations sur ce chantier. Et au plaisir de vous accueillir bientôt dans les nouveaux locaux. Voilà, et en espérant qu'il se mette à faire beau. On est quand même au mois de juillet. Au revoir à tous.